J'ai une très longue pratique de peinture. J'ai réalisé pendant plusieurs années des séries de peinture à base de résine alkyde qui représentaient des paysages artificiels ou des intérieurs un peu psychédéliques. Les images que je crée, elles sont. C'est un monde qui est virtuel. Il évoque l'organique, c'est vrai, mais il reste numérique et quantifiable. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même, c'est d'une certaine manière d'instaurer un doute. Puis d'utiliser un peu tous ces concepts contradictoires. Je parle de mutation, d'oppression, mais j'aime aussi parler de sensualité, d'ironie. Les questions concernant la technologie, la génétique, c'est ces questions-là qui définissent mon esthétique. J'étais dans un lieu qui était une ancienne menuiserie et en 2001, il y a eu un incendie. J'ai perdu une centaine d'œuvres. Comme je travaillais déjà beaucoup avec les ordinateurs, je me suis dit peut-être que c'est le moment où c'est peut-être un signe pour aller vers le tout digital. Depuis quelques années, ben c'est vrai que les logiciels de modélisation 3D sont vraiment puissants et ils permettent vraiment maintenant de créer des univers assez complexes. Je travaille en fait plutôt autour des concepts de la nature transformée, de la nature manipulée, altérée. C'est à la fois donc une fascination, comme je disais, mais c'est aussi une mise en garde, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire toujours. Alors pour le projet que je vous propose, c'est une cohabitation un peu d'éléments qui sont apparemment naturels, c'est-à-dire il y a des fleurs, des feuilles, il y a d'autres éléments abstraits qui sont des traces de peinture, et puis un ensemble d'éléments virtuels. Une chose qui me paraît importante, c'est peut-être c'est l'intégration en fait, des éléments de peinture que je scanne, puis qui sont intégrés dans les modèles virtuels. Et en fait, ceci, je pense, amène un élément d'incertitude entre ce qui est réel et puis ce qui ne l'est pas.